on n'arrivera pas à sauver oh. Edison et le choc sismique monstrueux de Beast. Oh oui, le moteur destruction, choc sismique. Incroyable. Salut à tous, c'est Zaroïd avec comme promis un deuxième recap cette semaine. Après celui consacré au play-off du tournoi de mai en zone Asie, un tournoi remporté par Shanghai Dragon, c'est marqué par une finale d'anthologie face à Seoul Dynasty, une victoire 4-3 après avoir été mené 3-0, après avoir éclairé la zone Asie, plein feu aujourd'hui sur la zone Amérique du Nord, avec là aussi plein de choses à retenir. Au programme donc de ce nouveau recap, la victoire de San Francisco Shock, et San Francisco Shock fait un beau vainqueur, la montée en puissance de Florida Mayhem, Philadelphia Fusion qui s'arrête en demi-finale, Paris Eternal qui souffre face à Boston Uprising et perd face à Los Angeles Valiant, sans oublier un nouveau français en Overwatch League, Zeke rejoint Toronto Defiant en trial et signe une première victoire face à Vancouver Titans. La première équipe dont j'ai envie de vous parler dans ce recap, c'est San Francisco Shock. Alors San Francisco Shock a perdu Sinatra, Architect, San Francisco Shock a recruté Twilight, mais surtout San Francisco Shock reste un sacré client. Après une entrée mou du genou face à Dallas Fuel et un match sans saveur, bon victoire 3-1 quand même, San Francisco Shock en demi n'a pas laissé une seule carte et la moindre chance à Los Angeles Valiant. Et en finale, face à Florida Mayhem, San Francisco Shock est encore monté d'un cran. San Francisco Shock, c'est l'expérience avec une capacité à adapter son style de jeu, ses compositions et le rythme du match en fonction des forces et des faiblesses de ses adversaires. Quand arrivent les matchs qui comptent et les grands rendez-vous, San Francisco Shock est toujours là. C'est simple, en play-off depuis la saison 2019, San Francisco Shock, c'est 5 finales sur 5, dont 3 remportées, 14 victoires en 17 matchs, 62 cartes gagnées et seulement 16 perdues. Impressionnant comme bilan. Alors sur la finale, Violet a été élu MVP, il a réalisé une performance XXL sur Baptiste, bon positionnement et puis surtout de gros timing sur ses champs d'immortalité pour sauver ses coéquipiers. Et puis sur ce tournoi, Rascal a prouvé une nouvelle fois qu'il était actuellement la meilleure écho de la ligue. Et enfin, Trey Yobin, la valeur sûre chez San Francisco Shock, toujours au top niveau et même plus quand il est sur Sigma. San Francisco Shock était mon favori pour ce May Melee Tournament en zone NA. Cette nouvelle victoire prouve que le tenant du titre reste le meilleur candidat à sa succession. Alors avant les playoffs du tournoi de mai, certains s'interrogeaient encore sur le vrai niveau de Florida Mayhem. Florida Mayhem qui restait certes sur 5 victoires, mais voilà, sans avoir vraiment affronté de cadors de l'Overwatch League. Bon aujourd'hui, si doute il y avait, il est levé. En écartant Atlanta Reign en quart, puis Philadelphia Fusion en demi, Philly Fusion l'un des grands favoris, et en prenant derrière deux cartes à San Francisco Shock en finale, Florida Mayhem a surpris et illuminé les playoffs du May Melee Tournament. Et s'il y a bien un joueur qui est sorti du lot côté Florida Mayhem, un joueur qui a vraiment marqué les esprits sur ces playoffs, c'est Yaki. L'ancien DPS de Runaway a été insaisissable ou presque sur Tracer. Sa capacité à attirer l'attention, à forcer l'utilisation de ressources adverses, son côté finisher aussi, et son pourcentage de réussite sur ses bombes, c'est juste hallucinant. Yaki a survolé ses playoffs et Yaki se positionne aujourd'hui comme un très sérieux candidat au poste de rookie de l'année. Alors BQB a lui aussi été très bon, principalement sur Ashe et Fatal, des pics de confort pour BQB, il a beaucoup touché. Et enfin, l'autre joueur que j'aimerais mettre en avant, c'est Gargoyle. Gargoyle qui a fini de rassurer les sceptiques. Sur son Sigma, notamment, il a été très solide. Et Gargoyle a largement contribué au bon parcours de son équipe. Bon, reste maintenant à savoir jusqu'où ira Florida Mayhem et quel est son vrai potentiel. Une chose est sûre, plus personne ne doit prendre cette équipe à la légère en 2020. Bon, dans ce récap, forcément, il faut parler de Philadelphia Fusion, qui reste une valeur sûre de l'Overwatch League. Avec seulement une défaite en 14 matchs, Philly Fusion a abordé la phase finale du May Melee Tournament en confiance et avec l'ambition légitime d'aller au bout. Bon, son premier match, remporté 3-1 face à Los Angeles Gladiators, fait partie des bons matchs. Énormément d'intensité dans les teamfights et une capacité côté Fusion à ne jamais rien lâcher, comme sur le premier round de Tour de Lijiang. Et à 92%, on va faire comment pour recap, mon bon Shade? Ah, c'est impossible. Je pense que c'est impossible. On va revenir avec un bulldozer du côté de Sado Poco qui va jouer sur la diva. Mais on va se faire contrôler comme Jaja. Sado qui ne tiendra pas la moindre seconde
Poco qui n'arrivera même pas sur le point, si peut-être, puisque Issou va offrir sa vie ou presque pour essayer de contester Funny Astro qui est déjà au sol. Et attention, le blizzard de Heavy, le blizzard de Asie qui fixe un petit peu quelques joueurs de Los Angeles Gladiators. Mais on a énormément de ressources, le mur du son, la coalescence et l'éclosion mortelle ont été lâchés au même moment, Zaro. Ouais, et ça va suffire hein, pour nettoyer le point. J'ai beaucoup aimé le travail collectif des Gladiators pour bloquer, tu sais, la boule de Sado. Ils se sont mis en mode muraille de Chine. Non, non, tu passeras pas, mon gars, tu vas pas toucher le point. Et finalement, on fait durer le plaisir. Qui tourne, du côté boule. De Philippe Fusion, mais pour rien. Ah bon, il a attrapé le pompon, il a gagné 3 tours gratuits. Là, ah, il a 3 tours. Il avait 3 tours facilement, le pote Sado, là, bien joué à lui. Il pourra revenir demain et se payer une petite barbe à papa. Oh, qu'est-ce qu'il regarde, fout, on continue, il y a une nouvelle coalescence. On a une nouvelle rotation. Il y a un mur du son, on a une nouvelle rotation d'Ultimate qui a été chargé. Bigos, c'est une sorbine. Mirror qui tombe, Ochi qui tombe, Space avec l'autodestruction, mais il est tout seul. Les Philadelphia Fusion, pendant que nous on était en train de se marrer, ils sont en train de faire un sérieux travail. Mais complètement, et Sado, c'est pas juste un tour gratuit qu'il a gagné, c'est le droit de faire gagner son équipe avec le déblocage des ulti supports qui fait la différence. Mais qu'est-ce que c'est que ce retournement de situation? Si Philly Fusion s'est imposé contre Gladiators, face à Florida Mayhem, ça n'est pas passé. Défaite 3-1 en demi-finale pour Fusion, malgré une grosse diversité au niveau des compositions jouées, de la dive, de la poke, de la rush, malgré plusieurs changements aussi en cours de match, dû au Carpe Ivy, dû au Carpe IQO, Poco à la place de Fury en flex tank, eh bien Philly est resté impuissant face à la Tracer de Yaki et surtout une équipe de Florida Mayhem vraiment bien en place sur ce match. Donc légère déception du côté des joueurs et des supporters, mais maintenant, pas d'inquiétude. En 2020, Philadelphia Fusion fait partie des grosses écuries de la Ligue. Paris Eternal a-t-il raté ses playoffs? Bon, selon moi, en tout cas, il ne les a pas réussis. Face à Boston Uprising, qui a confirmé ses progrès suite à l'arrivée de Punk et sa victoire contre LA Gladiators, déjà c'était très chaud pour Paris. Après avoir mené 2-0, on s'est fait très peur, très très peur. Et sur la dernière carte Oasis, alors que tout semblait perdu, eh bien Paris a pu compter sur la maladresse, l'inexpérience et la précipitation de Boston Uprising, sans oublier les clutches successifs de Fielder, Soon et Nico, pour remporter le match 3-2. On tente de temporiser hein, du côté de Soon qui est de retour sur une Tracer, mais est-ce que ça va le faire? Non! Fusion prend les kills, on est en train de laver le point là pour Boston Uprising, et j'ai bien peur, Zero Hit, qu'on ne pourra pas contester plus que ça. C'est fini, hein, même si Fielder arrive à envoyer son... Ah, quoique, allez, on pourrait avoir un nano boost sur no smite, quoi qu'il en soit, il a sa rage primordiale, hein, ses doubles ulti utilisés en même temps, il a une bonne part de Fielder sur Colorex, il faut faire tomber la Mei. Elle a son ulti de dispo, même si tout à l'heure ça n'a pas fait la différence, c'est un ulti qui pourrait être clutch, Paris Eternal qui néanmoins récupère l'espace, la sticky de Soon qui connecte sur Mion Bond. Me dis pas qu'ils sont en train de le faire. Non. Ah, ils vont le faire le KD, ouais, c'est Nico, il va toucher des personnes, 3 personnes, mec, il va être spawn incroyable. On va pouvoir accélérer, on tente une charge du côté de Fusion, mais ça se passe mal. Et derrière, le point est capturé alors que tout semblait perdu. Encore une fois, Soon qui régale. Compliqué face à Boston Uprising et encore plus face à Los Angeles Valiant. Bon, là aussi, ça se termine en 3-2, mais défaite 3-2 cette fois pour Paris. Et malgré un Ben Best chaud bouillant sur Reinhardt, eh bien Paris Eternal n'aura jamais vraiment maîtrisé son sujet. Et c'est dans ce genre de match qu'on voit que Paris reste une jeune équipe. Une équipe qui disputait ses premiers playoffs. Une équipe qui doit encore emmagasiner de l'expérience. Après les victoires contre Los Angeles Gladiators et surtout Dallas Fuel, on pouvait légitimement attendre plus, parce que Paris en est largement capable. Selon moi, Paris a un potentiel bien supérieur au Los Angeles Valiant par exemple. Mais sur ce match, Los Angeles Valiant a été la meilleure équipe. L'équipe la plus régulière, la plus solide aussi sur ses compositions. Valiant avait tout à gagner face à Paris, ils l'ont fait et bien fait. Paris repart donc frustré de ce tournoi, mais avec le retour prochain espéré de Exi et les 18 ans tout frais de Sparkle, Paris doit pouvoir rester ambitieux cette saison. Bon, dans ce récap, je n'ai pas envie de m'étendre sur Houston Outlaws et Washington Justice, hein, plutôt transparent lors de ces playoffs. Retenez juste qu'Hydration est passé main tank pour Houston et que Stitch et Janu, les deux anciens joueurs Vancouver Titans, ont prolongé leur contrat chez Washington Justice et qu'ils devraient rejoindre l'équipe aux États-Unis rapidement. Je n'ai pas non plus envie de m'attarder sur Dallas Fuel, Atlanta Reign et à un degré moindre Los Angeles Gladiators, ce qui manque encore de constance pour inquiéter les meilleurs. Je préfère prendre un peu de temps pour vous parler du premier match du week-end.
le sommet d'en bas entre Toronto Defiant et Vancouver Titans. Un bon match, remporté 3-2 par Toronto, une victoire qui fait du bien derrière 3 défaites, une victoire à l'arraché dont se souviendra le français Zeke. Zeke est un DPS de 19 ans qui a joué les Super Subs en 2018 pour Eagle Gaming avant de rejoindre HSL eSports puis One Point en Contenders Europe. Bon, cette saison, il jouait pour Third Impact, une très bonne équipe en Contenders NA, et depuis 10 jours, Zeke est en trial chez Toronto Defiant où il retrouve deux autres Français, Lilbo et Albless, ce qui, on l'espère, devrait faciliter son intégration. Un mot maintenant sur Vancouver, le nouveau Vancouver Titans, hein, depuis que les ex-Runaways ont été remerciés par la structure. Vancouver vient de recruter le DPS danois Shockwave. Alors Shockwave est passé par Montréal Rebellion en Contenders NA, puis Raspberry Racer en Contenders Europe, et il rejoint son ancien coéquipier KSA chez Vancouver Titans. Et pour son premier match en Overwatch League, malgré le ping, eh bien Shockwave a marqué les esprits avec un style de jeu très électron libre sur Echo. Et même si la victoire n'a pas été au rendez-vous, Shockwave et Vancouver 2.0 ont clairement marqué des points ce week-end. Voilà, j'espère que ce deuxième récap consacré au 16e week-end de l'Overwatch League vous aidera à patienter jusqu'à la reprise de la compétition. Une reprise prévue les 13 et 14 juin avec la même formule qu'en mai. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Overwatch League FR et à réagir aussi dans les commentaires. Attendiez-vous San Francisco Shock à un tel niveau ? Florida Mayhem vous a-t-il surpris sur ses playoffs ? Que pensez-vous des parcours de Paris Eternal et Philadelphia Fusion ? Et enfin, quels joueurs vous ont marqué ce week-end ? Sur tous ces sujets et plein d'autres, j'ai vraiment hâte de vous lire. En attendant, e-sportez-vous bien, reprenez des forces et laissez monter l'envie. Le meilleur de l'Overwatch League est encore à venir.